C'est toi le chef de sa brigade. Eux-mêmes, ils le savent, hein. Le sous-préfet. Tous ceux qui sont chefs administratifs ici, là, ils savent que le chef que les familles ont choisi, là, les trois chefs de famille, quatre chefs de famille, les chefs de famille, là, le choix qu'ils ont fait en majorité, là, si ce n'est pas reconnu, c'est les chefs de famille eux-mêmes qui gèrent le village. Pourquoi ils ont choisi? Pourquoi c'est eux qui ont le choix? C'est le Sénat. Voilà. Et le porte-parole que eux ils ont choisi, là, c'est lui qui est le chef du village. Ah donc aujourd'hui, eux-mêmes, ils le savent. Même si tu n'as pas papier, là. Hey, remarque, monsieur, je suis même à l'hôpital. Je suis quand tu parles à quelqu'un et que tu lui dis, je suis le porte-parole des trois chefs de famille de Sabrigué, je connais ta place déjà. Je peux venir, mais c'est pour ça que je vous ai dit d'écrire aux administratifs là que vous ne reconnaissez pas la personne qui a été imposée par l'administration. C'est tout. Donc si tu as cette copie là, tu la gardes. Tu la gardes précieusement et à chaque fois, tu as ça sur toi. Quand tu rends une visite à quelqu'un, tu prends une photocopie, tu as ça sur toi. Hein? Non, pas attendre, on est en train de parler. Non. On n'a pas fini, je suis au deuxième point. D'accord. Voilà. Tu auras le temps de chasser Satan après. C'est pour aller dire, sort, Satan, sort. Il ne sort pas. Il ne sort pas, il est là. Et donc, pour revenir au deuxième point, il nous faut un avocat. Du village. Et très bientôt, après cette histoire-là, il sera là, il va vous le présenter, il va laisser son contact, vous allez rester en contact avec lui, moi-même je vais rester en contact avec lui, on va lui demander des conseils, s'il y a un problème, c'est lui qui va nous défendre, parce qu'il faut ça, on ne sait pas ce que demain va devenir. Et même je suis en train de voir, parce que moi, bientôt, il ne reste plus longtemps, hein, c'est dans quelques mois. Quand je vais prendre ma retraite, je vais partir m'asseoir, je vais me prendre pour m'envoyer à Daloa. Donc tout ça, quand je pense à ça, il faut que vous soyez sécurisé. Il faut que vous ayez quelqu'un, quand vous l'approchez, il va dire on fait ça, on fait ça, on fait ça. Si moi on m'appelait là, ils vont dire il n'y a plus personne. Oh, si déjà vous avez un avocat avec vous, ils vont avoir peur de vous. Donc c'est à toi, je donne cette information. Je ne pourrais pas la donner à Raymond sans te la donner. D'accord. Parce que c'est toi qui es leur porte-parole. Dès lors qu'ils t'ont choisi comme porte-parole, ce qui concerne le village là, c'est à toi, je dis ça d'abord. C'est à toi de leur dire. Sinon, j'ai dormi avec lui. Depuis que je viens d'habiller, on est ensemble. Alors lui là, c'est aujourd'hui, il apprend ça. C'est vrai. Donc, c'est ce deuxième point là que je voulais te dire. Ça, c'est déjà un acquis. Pour prendre un avocat, il suffit de faire une demande. S'il y a un problème, il est à Abidjan. Il est au tribunal de Yopougon. Donc, il a un cabinet même, parce que lui, il a fait la France. Il n'est pas trop vieux, mais comme c'est quelqu'un, il a fait la France au froid, il buvait beaucoup, donc ça fait que son aspect, quand tu le vois, on dirait qu'il est très vieux, alors qu'il n'est pas vieux. À cause de l'alcool, son corps est fatigué, souvent même ses doigts tremblent. Donc il a un cabinet où il y a des jeunes avocats qui le gèrent. Quand il y a quelque chose, il envoie un ici, il envoie un là. Donc c'est lui-même que moi je vais prendre pour venir vous présenter. Mais là s'il y a un problème, il peut envoyer son petit. Donc très très bientôt, c'est ce que je vais faire. C'est peut-être la semaine prochaine, il n'est pas encore rédigé la lettre. La semaine prochaine, je vais rédiger la lettre. Puis quand il y aura un bout de temps, il va venir faire votre connaissance pour que vous soyez en sécurité. Merci. Pour que quand vous êtes en train de parler là, vous n'ayez pas la peur, parce que si vous avez son numéro,
Même s'il y a quelque chose que moi, tu m'appelles et lui, il faut appeler. Il faut l'appeler. Lui-même, il va te dire, Pierre, il y a quoi là-bas? Il y a telle, telle chose. Il va dire, faites ça, faites ça, faites ça. En ce moment, c'est un avocat, tu l'as déjà vu. Tu sais que, même si aujourd'hui, il te dit, il faut faire ça, tu sais que, avocat là, quand il te dit, faire ça, il faut faire. Il sait pourquoi. Tout à l'heure, quand on va arriver au troisième point, il y a des choses qu'il m'a dites. Si c'est moi, je ne peux pas faire ça. Mais il dit, ah, ça va, il n'y a rien fait. Donc, maintenant, le troisième point, ça, par rapport à ce qui s'est passé au village là-bas, depuis que ça s'est passé là, toi et moi, on n'a pas encore échangé. C'est pour ça que c'est ça le troisième point. Le vandalisme qu'ils ont fait là-bas. Ce qu'ils ont fait là-bas. Et après, pour la deuxième fois. Et qu'ils font la troisième fois. Pour la deuxième fois. Et ils vont même faire une troisième fois. Ce vandalisme-là, je voudrais connaître ton point de vue.